petite vidéo que m'a été demandée par une amie. Alors, vous saviez que, enfin, ceux qui ne savent pas, j'avais tout un tas de boutons là, purulents, qui je ne sais pas si vous connaissez, ça pousse par là généralement, voilà. Et une fois que ça sèche, ça repousse par-dessus. Alors, je cherchais d'où ça venait, donc dans un premier temps, j'utilisais la fluide complet hydratant de la roseraie. Comme la roseraie s'est réputée pour être comédogène, j'ai arrêté d'utiliser ce soin pour le moment. Je l'aime bien, hein, mais donc j'ai arrêté. Comme je vous avais dit, j'avais des marques là, des croûtes. Donc j'utilisais à l'époque un pigment clair que j'ai déterré, hein, parce que celui-là, je l'ai enterré. Donc j'ai arrêté de l'utiliser, c'est aussi simple que ça, c'est pour les cernes. Donc après, ayant toujours eu des croûtes, j'avais commencé à utiliser Substiane, mais je ne le mettais pas tous les jours parce qu'en fin de compte, ma peau ne supportait plus rien. Et en fin de compte, ce n'est pas forcément ces produits, parce que là, j'ai fait un tutoriel maquillage que j'ai fait plusieurs fois. Vous savez, j'ai mis du scotch, je me suis démaquillée, et je recommençais à être irritée autour des yeux. Donc je pense que tout simplement, c'est ma peau qui est sensible. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Pas se maquiller tous les jours, pas mettre des produits trop souvent, voilà. Alors ma peau, depuis que j'utilise une routine occitane, est plus belle, donc je n'arrive pas à savoir exactement le produit que c'est, parce que le matin, si je retrouve ce produit, oui, super, je me suis dit j'ai un oubli la moitié. J'utilise le démaquillant, la gelée démaquillante à l'immortel. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas super efficace. Vous voyez, on dormait beaucoup, elle descend vite. Mais par contre, moi qui me réveille le matin avec les yeux de chinois, c'est les yeux gonflés et comme ça. Oui, j'ai les yeux en amande, mais le matin, c'est plus de l'amande, hein, c'est les yeux pas frais. Je trouve qu'elle décongestionne bien les yeux, elle est très douce pour les yeux. Il ne faut pas s'en mettre dans les yeux parce que c'est vrai, on peut avoir un effet qui pique. Mais elle est chiante pour se démaquiller les yeux, elle n'est pas pratique. Ça, j'avoue, quand on en met, ça s'étale et on en utilise beaucoup plus, par exemple, que l'eau micellaire que j'utilise d'Aved. Voilà, donc c'est pas un produit que je rachèterai, je l'ai mis en promotion, ça va, mais c'est vrai que je confirme les propos qu'ils disent, on utilise, ça descend très très vite pour... ils disent pourtant que c'est waterproof aussi, hein. Bon, j'ai pas de waterproof, hein, je suis désolée. Donc, après, j'utilise... qu'est-ce que j'avais? J'avais acheté le... à l'huile essentielle d'Angélique Bio, c'est un gel démaquillant que j'utilise tous les jours là, en routine peau, voilà, que j'adore aussi. Et je finis avec, comme je me rince à l'eau, j'utilise l'eau florale d'Immortel, que j'ai failli avoir une catastrophe parce que je l'avais couchée, elle commençait déjà à couler, donc je ne la couche plus, là j'ai mal vissé tout bêtement. Et par-dessus, j'utilise... et j'utilise toujours, c'est l'huile essentielle à l'eau d'Angélique Bio, le fluide radieux, avec un indice de protection 15. Voilà, et je fais ça depuis 2 semaines, on va dire. Et ma peau a été plus belle dès la première semaine. Les boutons, là, ils ont disparu. Les grains, c'est affiné. Mais j'arrive pas à savoir si c'est... l'ensemble du produit, s'il y a un produit en particulier qui me convient dans ce lot-là. Donc je vous tiendrai au courant parce que j'en ai d'autres à finir. Donc j'utilise tout ça, je me vois mal utiliser que ça, ou que l'eau micellaire, ou que la crème comme ça. J'ai encore la crème que j'ai achetée, fluide précieux d'Immortel, qui est pour les peaux qui brillent. Elle est moins hydratante, mais c'est vrai qu'on brille moins. Ma peau est plus belle. Voilà, je suis contente, du coup, donc je ne vais pas me plaindre. Et je ne sais pas si c'est l'ensemble des produits de l'Occitane ou si c'est un produit qui me convient mieux que d'autres dans la gamme que je suis en train d'utiliser. Bon, bref, les boutons que j'avais depuis des mois et des lustres qui me faisaient chier, j'aurais cru à l'acné, vous voyez, en temps de l'adolescence, je ne les ai plus. Vous voyez, on voit un, mais ça c'est un sec, c'est un vieux. Là, j'ai plus rien. Là, c'est pareil, vous voyez, il y a une marque, mais c'est un ancien. C'est une cicatrice, enfin une petite, mais il est sec. Et ça, c'était purulent. Donc, je ne sais pas d'où ça venait. Et depuis que je suis changée pour la gamme L'Occitane, c'est parti.
Mystère et boule de gomme. Donc, j'ai bronzé. Comme vous voyez, il y a des taches de rousseur. Donc, depuis, j'apprécie la couvrance que j'avais pris en teinte 2. Quand j'étais vachement plus pâle, je ne l'aimais pas. Je trouve que depuis que j'ai bronzé, ça me convient bien. Donc, on va dire avis mitigé. Donc, je vais la finir. Il faut que j'arrête de dire donc. Voilà, en fard à joues, j'ai racheté le pêche, hein, parce qu'il manquait trop le pêche velouté que j'avais eu une fois, tant pis. Celui-là, il est trop clair. Je préfère largement la teinte que j'avais de Thé Leclerc. Pêche velouté que j'attends, que j'ai acheté 11 euros sur eBay. Si vous la voulez sur eBay, elle fait un teint, mais de ouf, quoi, pour les peaux très claires. Celle-ci, elle tire plus rosé et je trouve que pour mon teint, moi, ça va moins bien. Après, Bibi était censé parler de... C'est moi, Bibi. De Soussens, que j'avais acheté de la marque Soussens, la gamme sérum de lumière, le sérum, la crème de lumière et la crème de nuit. Et il m'avait offert gentiment, pour faire essayer, le sérum après rasage de Soussens. Le problème, c'est le seul marral que j'ai à la maison, c'est mon père. Et mon père, lui, il se débarbouille au Cerruti 1880, je crois. C'est ça, le... Ça doit être ça. Et monsieur ne veut pas l'utiliser. C'est pas qu'il n'aime pas, mais il n'est pas crème. Donc je vais donner mon avis à moi. Hier, je me suis fait des aisselles. J'ai voulu, maligne que je suis, acheter un déodorant à Inter, le label. Le dernier qui est resté en me disant « Super, il en reste qu'un, il est génial. » Et il m'a brûlé les aisselles. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je récupère les produits de mon père. Voilà, c'est un sérum après rasage hydratant et apaisant. Il m'a fait du bien. Donc, je vais l'utiliser sur, pour moi, pour quand je vais me raser. Parce que mon père, il n'y aura pas moyen de l'utiliser. Soussens, hein, Écossaire, c'est un très très bon produit, ça je dis pas. Alors, je vous montre quand même, je fais la présentation, puisque mon mâle ne veut pas coopérer. Je vais le sortir. Ça, c'est la gamme pour homme. Et il veut plus sortir. On va l'obliger à sortir. Voilà, alors gamme pour homme, c'est un peu plus carré, comme vous voyez. Bouchon, c'est très très bon de qualité en packaging. Ça sent un peu le musc, ça sent le masculin, plus que la gamme pour femme. Mais c'est pas désagréable, hein. Ça sent, ouais, c'est plus pour homme, voilà. C'est descendu que je l'utilise. Hein. Voilà, il y a un bouchon que vous tournez, ça. Ça dépend, si vous mettez du bon côté, vous pouvez l'appuyer, si vous l'appuyez du mauvais côté, ça ne peut pas appuyer. Ça fait une canne. Qui sont bons. Hein. Mais c'est vrai que ça a plus une odeur masculine. Donc du coup, moi, c'est... Ouais. Ça fait un peu comme une autre cologne. Oui. Mais mon père, il n'est pas... Il est pas Frelu de tout ce qui est cosmétique. Donc lui, l'après-rasage, c'est carrément l'eau toilette Cerruti 1880 que je suis censée lui racheter pour la fête des papas. Si vous voulez, je lui fasse plaisir, j'achète ça. Au moins, il n'est pas compliqué. Hein. Donc bon, moi je m'en sers, comme je me rase cola, je vais l'utiliser pour ça. Hein. Il est efficace, mais monsieur ne veut pas l'utiliser. Ah, c'est un concentré, réparateur, qu'est-ce qu'ils disent 88% total ingrédients bio. 25% au total des ingrédients sont issus de l'agriculture bio. Je crois qu'il y a dedans, il y a de la camomille. Et si je regardais sur l'emballage. Alors, appliquer une dose après chaque rasage par léger massage sur une peau parfaitement sèche et en évitant le contour des yeux. Apaise et renforce efficacement votre visage. Ouais, bah, écoutez, mon père, il ne veut pas. Donc, moi, je la mets après le rasage, pour m'adoucir le feu du rasage. Et ça, il va partir à la poubelle. Hein. Je vous jure, j'ai dû enlever le soutif tellement que ça me frottait sous les bras. Donc, oui, je sais, c'est très gore ce que je raconte. Voilà, c'est très délicat. Donc, je vais l'utiliser sous les aisselles. J'ai tellement de produits à finir qu'il n'y a pas à chier. Hein. Je ne vais pas pouvoir faire autrement parce que... Voilà, après, un produit que j'aime bien en ce moment, que j'utilise, qui va vite descendre... C'est la gel crème, vous savez, à la verveine d'Occitane. Je l'adore, ce produit, c'est une petite gel frais. Mais je vais vous faire le karité à un ami. Il est super agréable quand il fait très chaud. Oh putain, ah, oui, excusez-moi, c'est remous. Ça sent la verveine, c'est un délice. Mais par contre,
il va descendre vite. Hein. Et ça fait frais, quand vous le mettez sur les mains, ça vous fait un voile de fraîcheur. Et puis ça sent bon, quoi, ça sent naturel. Voilà. Hop là. Voilà, je suis en train de regarder un peu ce que j'ai. Voilà, j'ai fait le tour. Bon, ben, en ce moment, je suis bien copine, on va dire, avec tout ce qui est les gloss, tout ce qui est teinte un peu, on va dire, bonbon. Voilà, ça c'est le fameux X, mais il ne se fait plus, donc je ne vais pas en parler sans s'étendre. C'est là que je vous avais montré la dernière fois dans le maquillage, c'est le natif d'Urban Decay. Il fait un bonbon, comme un bonbon sur les lèvres. Je suis en train de regarder qu'il y avait un rouge à lèvres qu'on m'avait offert, que j'aime bien aussi quand on est bronzé. Je ne l'ai pas sorti, bien sûr. Avec un miracle, je vais peut-être arriver à le ressortir. Mais il ne se fait plus, je crois. Par contre, il a une très très jolie couleur. C'est le frein de touche. Je vous l'ai montré. Je le sors. Et je vais le swatcher les trois couleurs. Comme ça, vous verrez mieux. Ça fait un beau combo, là, les trois. Si on a de la lumière encore. Voilà, c'est, je l'ai dit, ça se présente en meringué comme ça. Mais il est plus joli. Quoique là, ouais, peut-être ça reflète. Ça dépend de la luminosité. Quand j'ai trop de lumière, ça ne se voit pas. Et quand vous êtes bronzé, ça fait très très beau sur les lèvres. Ça donne de l'éclat, vous voyez. Quand vous êtes un petit peu, commencé à être pâle et un petit peu bronzé, ça donne de la luminosité au teint. Bon, là, ça donne de la luminosité tout court. Pour cause. Loup. Voilà, ça, je me passe par-dessus. Ça fait comme des lèvres, comme des bonbons, quoi. Couleur très très girly. Voilà, ça c'est le gloss et le petit contour de lèvres sur Urban Decay 24/7 native qui va avec. Ça fait très beau combo les trois là quand on veut quelque chose de naturel sur les lèvres. Je regarde si j'ai rien oublié, je crois pas. Ah si, il y a du bien truc. Alors j'achetais généralement des gélules Onobiol à la carotène, parce que j'adore moi avaler des gélules pour activer le bronzage. C'est efficace, pour moi c'est efficace. Après il y a ceux qui préfèrent les lingettes extérieures à la carotte. Moi je supporte pas, pour une simple raison, que ça dessèche la peau. Pour moi. Après je sais qu'il y en a qui aiment. Donc c'est des gélules, vous voyez, à la carotte. Il y avait moins 50% sur le paquet. Et on n'en prend qu'une par jour. Et là-dedans, il y a 60 capsules, donc il y en a pour 2 mois. Et j'ai encore un autre paquet, donc j'ai 4 paquets, puisque ça fait 2 paquets. Alors, n'arrête pas les rayons UV, ça on le sait, il est indispensable d'utiliser un soin protecteur lors des expositions solaires, ça c'est normal. Une capsule par jour, 15 jours avant, que pendant et après l'exposition solaire, ouais, bon, c'est à l'huile de carotte, à l'huile d'olive, à l'huile de borage, à la protéine, du glucide, du lipide. Je vais le sortir de son petit paquet parce qu'on veut en même. J'y arrive. Pas de folle que je suis. Alors, je vais le sortir comme ça, vous voyez. J'ai une petite toute petite. Marron, hein, quasiment. On en prend une par jour. Ça, c'est mon allié de l'été. Et voilà, la boîte se présente comme ça. De l'Irak. Je dis la marque après, bon. On s'en meurt pas. Alors qu'est-ce que j'avais vu? C'est bronzage rapide, sublime, protection 1, concentré en de caroténoïdes 130.33 mg, l'huile de carotte, carotène, d'algue rouge, d'olérésine de tomate, et concentré de lutéine, vitamine E, 10 mg de sélénium, aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif, huile d'olive et de bourrache nourrissent et préservent la souplesse de la peau. Phytocosmétique active, voilà. D'habitude, je prends Onobiol, mais là, il faisait pas Onobiol, ma pharmacie, donc j'ai pris la promotion de l'Irak. Elle est vicieux pour cet été, ils disent pour la troisième boîte sera offerte. Mais bon, si vous réfléchissez bien, là, j'en ai déjà pour 2 mois. Et comme j'ai un autre paquet de ça, j'en ai encore pour 2 mois. Donc j'en ai pour 4 mois. Donc quand ils auront fait la promotion de cet été, vous aurez le troisième paquet offert. En gros, je vais vous faire des gélules pour l'automne, quoi. Donc je pense que ça va me suffire largement. Et j'avais payé, je crois, 18 euros, un truc comme ça.
les deux boîtes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, je fais un gros bisou, à plus. Je vais voir s'il y a assez de luminosité parce que ça commence à décliner là. Et c'est, à mon avis, c'est pas terrible l'image. Allez, à plus.